Dans cette leçon, on va traiter la caractéristique d'un dipôle actif. Premièrement, différents types de générateurs. Pour un dipôle passif, une diode par exemple, la tension à ses bornes est nulle lorsque n'est traversée par aucun courant. Tension nulle. Pour une résistance, il n'y a pas de tension à ses bornes lorsqu'il n'est pas traversé par aucun courant. Par contre, une pile ordinaire qui est un dipôle actif, vous voyez là qu'on a une tension à ses bornes lorsqu'elle n'est pas traversée par aucun courant. Par exemple, là, une autre pile. Encore une pile solaire. Elle reçoit de l'énergie solaire, elle la transforme en énergie chimique. Et dans l'obscurité, elle renvoie cette énergie chimique sous forme d'énergie électrique. On va faire. Dans l'obscurité, par exemple, vous voyez là, là elle s'allume, après s'éteint. Une pile, par exemple, transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Une dynamo, par exemple, ou alternateur, transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. On passe au deuxième paragraphe, différents types de récepteurs. Un récepteur reçoit de l'énergie électrique et la transforme en une autre forme d'énergie et en plus de l'énergie calorifique. Exemple, avec une alimentation, on peut faire tourner un moteur. C'est un ventilateur d'ordinateur et les pôles du moteur vers l'alimentation. Vous voyez qu'il tourne et les lié à un radiateur pour évacuer de la chaleur. Donc un moteur reçoit de l'énergie électrique, la transforme en énergie mécanique, rotation, et en plus il évacue de l'énergie calorifique qui est dissipée par ce radiateur. Exemple de récepteur, par exemple le moteur, il reçoit de l'énergie électrique. Il la transforme en énergie mécanique et il fait dissiper de l'énergie sous forme de chaleur. Un autre exemple, un électrolyseur transforme l'énergie électrique en énergie chimique. Donc le passage de courant fait déplacer les ions, du pot par exemple, là, des bulles gazeuses, et il y a encore de la chaleur, il va s'échauffer. Troisième paragraphe, caractéristiques d'un générateur. Petit a, le dispositif expérimental. Pour tracer une caractéristique, il nous faut des valeurs de couple de tension et d'intensité. Donc là, on utilise un résultat. Le dipôle étudié, c'est le générateur. On va mesurer la tension à ses bornes par un voltmètre et l'intensité qu'elle traverse par un ampèremètre. Là, c'est une résistance de protection. Lorsque le curseur arrive à cette borne de rheostat, on a le risque, s'il n'y a pas de résistance, on a le risque de faire un court-circuit aux bornes du générateur. Donc, c'est une résistance de protection. Donc, on fait glisser le curseur. La résistance qui entre dans le circuit varie. Donc, ce qui fait l'intensité va varier, ainsi que la tension. On obtient un tableau de mesure qui puisse nous donner une courbe graphique. Ainsi, on obtient la caractéristique d'un générateur. Le type B, grandeur, caractéristique d'un générateur. L'équation mathématique de cette courbe sur la forme de Y qui est égale à X plus B. Avec le coefficient directeur négatif parce que c'est une courbe décroissante. Pour un générateur, on fait orienter le vecteur tension dans le sens du courant. Cette équation est sous forme de AX plus B dans notre cas. Si E moins RI, vous voyez que le coefficient directeur est négatif. E, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice. Et petit R en ohm, c'est la résistance interne du générateur. Ces deux grandeurs
C'est ce qu'on appelle les grandeurs caractéristiques d'un générateur. Donc un générateur est caractérisé par sa force électromotrice et sa résistance interne. On passe à l'application numérique. Graphiquement, donc lorsque I est égal à 0, U égale E. Lorsque I est égal à 0, sur la courbe, on détermine E. E égale 12 volts. La résistance interne, c'est le coefficient directeur de la caractéristique. Dans notre cas, c'est delta U sur delta I. On prend les deux points par exemple. Delta U, c'est 6 volts. Et delta I, on trouve là 1,25 comme delta I. 6 divisé par 1,25, c'est 4,8 ohms. Donc les deux grandes caractéristiques de ce générateur, c'est sa force électromotrice qui est égale à 12 volts, et sa résistance interne qui est égale à 4,8 ohms. C'est le courant du court-circuit. Parfois à la maison, on a des pannes d'électricité de genre court-circuit. Qu'est-ce que c'est que le court-circuit? C'est de lier la borne positive d'un générateur directement à la borne négative par un fil de connexion. L'expression de UG, c'est E moins RI, mais la valeur de la tension borne d'un fil conducteur est nulle, implique I égale E sur R. C'est l'expression du courant du court-circuit. ICC, c'est une valeur très élevée, dangereuse. Elle va faire détruire le générateur. Pour déterminer graphiquement ICC, on fait le prolongement de la caractéristique seulement par des pointillés jusqu'à ce qu'elle rencontre l'axe des intensités. Quatrièmement, association de générateurs. Petit A, groupement en série. Dans ce montage, on a trois générateurs en série avec leurs grandeurs caractéristiques. On cherche les grandeurs caractéristiques du pôle équivalent. On voit là que la tension U0 est égale à U1 plus U2 plus U3. U1 est égal à E1 moins R1 fois I plus E2 moins R2 fois I plus O3 moins R3 fois I. On fait regrouper les forces électromotrices moins l'intensité en facteur de R1 plus R2 plus R3. Force électromotrice, les résistances internes, l'utilité d'une association de générateurs en série E0 est égale à la somme des forces électromotrices de chaque générateur et la résistance interne du pôle équivalent est la somme des résistances internes de chaque générateur. Donc l'utilité de faire augmenter la force électromotrice. Petit b, groupement en parallèle. L'expression de la tension aux bornes d'un générateur, U égale E moins RI, implique RI égale E moins U. Ce qui fait l'expression de l'intensité, c'est E sur R moins U sur R. On applique la loi du nœud. I est égal à I1 plus I2. Là, on va remplacer l'intensité I par E' sur R' moins U' sur R' est égal. I1, c'est E1 sur R1 moins U1 sur R1 plus.
L'intensité E2 est remplacée par E2 sur R2 moins U2 sur R2. On fait regrouper là les forces électromotrices. E1 sur R1 plus E2 sur R2 moins U1, que ce soit U1 ou U2 ou U', c'est la même chose. Donc U facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Là, on aura E' sur R' moins U' sur R'. Pour des générateurs identiques, on aura la force électromotrice E1 égale la force électromotrice E2 qui est égale E. Les résistances internes sont encore égales. On aura là 2 fois E1, E sur R, puisque E1 est remplacé par E et R1 est remplacé par R, moins U facteur de 2 sur R. On en déduit là que E' sur R' est égal de E sur R. Et, puisqu'on simplifie par U, 1 sur R' est égal à 2 sur R. On cherche la force électromotrice équivalente qui est E', qui est égal à 2 fois E sur R multiplié par R'. R' égale R sur 2. Comme ça, on aura simplification. Implique que la force électromotrice équivalente est la force électromotrice d'un générateur et la résistance interne du générateur équivalent, c'est la moitié puisqu'on a associé deux, c'est la moitié de la résistance interne de chaque générateur. L'utilité de ce montage. Et le premier générateur fournit E1, le deuxième fournit E2, donc, est de faire augmenter l'intensité. Le paragraphe 5, caractéristiques d'un récepteur, petit a, dispositif expérimental. Le dispositif expérimental contient un générateur de tension variable, l'ampèremètre qui doit mesurer l'intensité qui traverse le récepteur. Dans notre cas, c'est un moteur et un voltmètre pour mesurer la tension à ses bornes. On fait varier la tension du générateur. On obtient 10 valeurs du couple de tension et d'intensité. Comme ça, on peut tracer la caractéristique. On obtient une caractéristique linéaire ascendante d'équation mathématique y égale à x plus b avec le coefficient directeur positif. Dans notre cas, on écrit là E' plus R' fois I. Petit b, grandeur caractéristique d'un récepteur. Donc E', ce qu'on appelle la force contre électromotrice. L'abréviation c'est force contre électromotrice. R', c'est la résistance interne du récepteur. Application numérique, VE' est égal à 3 volts. R', c'est le coefficient directeur, donc delta U sur delta I. Et on va prendre les deux points. On aura là 2. Et sur l'axe des intensités, on a 2, ce qui fait il est égal à 1 ohm. La force contre électromotrice du moteur C3 et sa résistance interne C1, ce qu'on appelle les deux grandeurs caractéristiques du récepteur. Remarque, pour qu'un générateur puisse faire fonctionner un récepteur, dans notre cas, pour qu'un générateur puisse faire tourner un moteur, il faut que
la force électromotrice du générateur doit être supérieure à la force contre-électromotrice du récepteur. Paragraphe suivant, 6. Point de fonctionnement. On dit qu'un circuit électrique fonctionne lorsqu'il y a passage du courant. Question. Comment déterminer le point de fonctionnement d'un circuit électrique? Petit A, méthode analytique. Exemple 1, soit un montage qui comprend un générateur de grandeur caractéristique ER, une résistance R. Comme d'habitude, on schématise le sens de courant. Tension aux bornes du générateur, et après la tension aux bornes de la résistance. On remarque que U1 égale U2 implique là l'expression de la tension aux bornes du générateur, c'est E moins RI. La loi d'Ohm aux bornes de la résistance, c'est RI. Donc E qui est égal, factorise par I, on trouve là R plus petit r. Les coordonnées du point de fonctionnement sont I fonctionnement qui est égal E sur R plus petit r. UF, U est égal RI, I c'est E sur R plus petit r. Voilà les coordonnées du point de fonctionnement de ce circuit. Petit B, méthode graphique. On va prendre un autre exemple, exemple 2, à la rencontre des deux caractéristiques, dont le générateur et l'électrolyseur, sont traversés par la même intensité qui s'appelle EF. Le paragraphe suivant, loi de Pouillet. Cette loi est applicable pour les circuits en série contenant des générateurs, récepteurs et des résistances. On voit là que la tension U1 est égale U2 plus U3. L'expression de chaque tension, U1 en borne d'un générateur ER, E moins RI, aux bornes du moteur, E' plus R'I, aux bornes de la résistance, la tension s'exprime, RI. On aura là E moins E' qui est égal, factorisation par l'intensité, on aura là petit r plus R' plus grand R. Donc l'intensité qui traverse ce circuit série, c'est la force électromotrice moins la force contre-électromotrice sur la somme des résistances du circuit. D'une façon générale, si on avait assez de générateurs en série avec des résistances, avec des récepteurs en série, la loi de Pouillet nous donne l'intensité de courant du circuit série par la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances internes du générateur plus la somme des résistances internes des récepteurs.